Coulant All-Star, Javier prêt à trahir Pascal? Sa position est claire. Le candidat de Coulant All-Star ne s'en cache pas, allié ou non, ami ou non, il pourrait très bien trahir Pascal sous certaines conditions. Dans Koh-Lanta, les alliances et les stratégies sont primordiales. Les candidats de la version All-Star actuellement en diffusion sur TF1 le savent mieux que personne. Javier, aventurier toujours en lice après le départ de Cassandre, qu'il accuse d'ailleurs de l'avoir trahi, vient par exemple d'affirmer à nos confrères du magazine Télépoche qu'il pourrait trahir son allié et ami Pascal sous certaines conditions pour aller en finale. Tout le monde peut aller au bout. Il faut seulement savoir s'allier aux bonnes personnes, a-t-il tout d'abord statué quant à sa tactique de jeu. Puis, après avoir parlé de son coup de foudre amical pour Pascal, Javier a poursuivi en affirmant qu'il pourrait clairement cacher une stratégie à ce dernier, si je venais à apprendre quelque chose qui ne me plaît pas, clairement, oui. Je n'aurai alors aucun scrupule. Ça reste un jeu. Je n'ai pas envie de me faire couillonner. J'irai juste lui parler pour m'expliquer. Oui, je pourrais trahir Pascal s'il tente contre moi une manœuvre qui n'était pas prévue. Conscient de ses capacités et de ses limites, Javier a aussi parlé de son humour qui lui a permis de se faire une place de choix parmi les aventuriers. C'est une arme comme une autre. Se faire apprécier de ses coéquipiers, c'est bien. Comme je ne suis pas un dieu dans les épreuves, je suis la personne idéale qu'on veut mener au bout pour la battre plus facilement. Mais je cache peut-être mon jeu, a-t-il lâché avec malice. Une interview à retrouver en intégralité dans Télépoche, actuellement en kiosque.